colorer mes cheveux. J'ai mis le blond et puis comme j'ai des cheveux longs, ça sortit plus blond en haut qu'en bas. Mes cheveux sont foncés, fait que c'est plus brun, mais ça sortit comme ça. Le blond que j'ai utilisé, c'est un décolorant de Garnier. Très simple. L'idée de ça, c'est pas juste de le faire en blond, c'est de faire des mèches en plusieurs couleurs, comme l'aube de punk pour le printemps. On va voir comment ça va sortir. Le plus pire, c'est que je vais le colorer en bleu ou noir. La couleur que j'ai utilisée pour les mèches, c'est Manic Panic, j'ai un en bleu. Deuxième, en rouge. Et puis, je vais voir comment ça va y aller. Je vais le faire peut-être ce soir. Et je vais faire une vidéo. Et puis, on va voir comment ça va sortir. Un peu sur mon maquillage, c'est très simple. J'ai juste un peu d'ombre, paupières, mascara et rouge à lèvres. Ça dépend sur le jour. Des fois, c'est rouge. Des fois, c'est noir. Si je veux un look plus goth, ça dépend. Et puis... le rose. Et vraiment, c'est très simple. Ça me prend 20 minutes vraiment de m'habiller, de faire le maquillage. Now, if you don't understand French, I colored my hair blonde. But of course, I didn't have enough hair color because my hair is long. And right now, I've got more lighter on top than the bottom, as you can see. And we'll see how it's going to turn out. I'm going to streak it with different colors and we'll see. Like, it's probably going to be rainbow. And if anything, I can always just recolor it black. My makeup is very simple. I like just some mascara and some eyeshadow. And maybe eyeliner, black or green or, you know. And I'll put some lipstick, pink I have on actually, quite a bit on. Anyway, that's about it right now.